Oui. Monsieur Raffard? Seconde. Vous connaissez ce garçon, monsieur Raffard? Qui êtes-vous? Son père. Il a fait une fugue. Il est sans doute parti avec votre fille. Son père? Oui. Vous avez eu de leurs nouvelles récemment? Je le connais. Son père est venu ici il y a 15 jours. Ah, oui, oui, non. C'est pas son père que vous avez vu. C'est le monsieur qui l'a élevé. En fait, le vrai père, c'est moi, voilà. Alors? Alors, j'ai déjà tout dit à l'autre père. J'ai dit que je voulais qu'on me foute la paix avec cette histoire. Vous allez venir m'emmerder longtemps comme ça? Fâché, monsieur Raffard. Je me suis expliqué avec la police. Je veux plus qu'on m'emmerde, je vous dis. C'est clair. Bon, j'ai du boulot, moi. Allez filer. Allô? C'est de la part de qui? Mais donnez-moi ça. C'est le plombier, vous le prenez? Mais donnez-moi ça, il foutait le camp. Ne quittez pas, je vous le passe. Allô? Excusez-moi d'être occupé pour l'instant. Il y a une commission à lui faire. Ah, eh bien, attendez. Attendez, le voilà qui revient. Secours! Allô, ben non, excusez-moi, il est reparti, là, oui. Ah oui, vous n'avez pas de chance, hein. Un petit mot, ça lui fera plaisir. Il est venu. Comment? Votre fils. Il est venu. Il était avec deux autres types. Et puis ma fille. Ils ont dormi ici. Une nuit, et puis je les ai virés. Pourquoi vous l'avez pas dit à sa mère l'autre jour? Parce que ils avaient du matériel volé. Ils ont dû casser un magasin. Des transistors et des magnétophones. Alors, j'aurais dû prévenir les flics. Mais je veux pas d'histoire. Alors j'ai dit à tout le monde que je les avais pas vus. Où sont-ils maintenant? J'en sais rien. Allez, faites fort. Ma femme. Oui. Elle les a peut-être vus. Elle a une station en service sur la route de Cannes. La station à Gip. C'est Monsieur Raffard. Pardon de vous déranger, monsieur, mais vous pouvez peut-être m'aider. Avez-vous déjà vu ce garçon? Qui êtes-vous? Son père. Il a fait une fugue et tous les croire qu'il est parti avec votre fille. Il y a quelque chose qui ne va pas, monsieur Raffard? Mais il a combien de pères, ce gosse? Comment? Ah oui, je comprends. Non, non. Le père que vous avez vu n'est pas le vrai père. Le vrai papa, le papa qui a procréé l'enfant, c'est moi. Vous ne décrochez pas? Qu'est-ce qui se passe? J'entre dans son bureau pour lui demander renseignements, il attrape le téléphone et... C'est un fou dangereux, oui! Ça va? Mon fils a fait une fugue. C'est normal de faire une enquête, non? Je vais me plaindre à la police, moi! Qu'est-ce que c'est que ces procédés? Votre fils a fait une fugue? Oui. Mais a pété la mâchoire, ce con. Le mien aussi a fait une fugue. Sans blague.